Hey yo les amis, c'est Benki187. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation Blu-ray. Et oui, pour pas changer, hein. J'adore tout ce qui est film, hein, tu sais bien, ma passion du cinéma, ma passion de Stephen King aussi. Et aujourd'hui, je vais te présenter un Blu-ray dans lequel je suis un petit peu dégoûté parce que je l'ai payé une quinzaine d'euros, ce Vinted. Et celui-là, je suis dégoûté parce qu'il y a très peu de temps, je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre. Il est sorti en édition Steelbook à 15 balles. Et oui, à 15 euros. Donc, je te présente ce Blu-ray en amarré, juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour la présentation du Blu-ray que j'ai acheté sur Vinted de ce magnifique film ultra culte avec Wesley Snipes. Et bien sûr, notre cher ami Stallone. Il s'agit bien sûr du film Demolition Man. Film ultra culte, mais alors un truc à un niveau mais intersidéral celui-là. Car il y a tellement de choses à dire sur ce film. Il faudrait quasiment faire une vidéo dédiée tellement qu'il y a des choses énormes à raconter sur ce film. Première chose, par exemple, la mésentente entre Wesley Snipes et Monsieur Stallone à l'époque, ils pouvaient pas se blairer, mais ça donnait quand même un très 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 bon film. Alors au niveau des specs, on a du 5.1 pour l'anglais, du Dolby donc Digital 5.1 pour l'anglais, on a du DTS Master Audio pardon pour l'anglais et du 5.1 Digital Dolby Digital pour le français. Pour l'allemand également et pour l'italien, le russe également, parce qu'il y a aussi en russe. Et on a aussi pour du 5.1 également pour l'espagnol, catalan et ainsi de suite. Du tchèque également. Donc au niveau des langues, il y a quand même pas mal. Au niveau des sous-titres, on a du français, du norvégien, du finnois, du néerlandais, du russe, de l'espagnol. Espagnol, catalan, il faut préciser. Et on a du suédois. Du grec, enfin, donc, il y a quand même une bonne chier du tchèque également, enfin bref, une très très grande pléiade de sous-titres, donc il y a quoi ravir tout le monde. Le film nous fait 115 minutes, voilà, 115 minutes de bonheur parce que ce film-là, franchement, c'est une dinguerie. Il n'a pas pris une ride, enfin, quoique, tu courras un petit peu plus tard. Alors, il y a des bonus, donc ici, ils vous expliquent que les bonus ne sont pas forcément en haute définition. Au niveau des bonus, on n'a pas grand-chose. Hein. On a commentaire du réalisateur et aussi du commentaire donc du réalisateur et du producteur et la bande-annonce originale. Donc ça, la bande-annonce originale, je pense pas l'avoir vue à l'époque parce que c'est un film que je n'ai pas connu au cinéma à l'époque. Je l'ai connu à la télé quand j'étais gosse, quoi. Ce qui commence à dater un petit peu. La date exacte, je ne me rappelle pas, je pensais qu'elle serait marquée, mais il n'y a rien de marqué par rapport à la date de sortie. Mais il me semble qu'il est sorti dans les années 90, ça je crois que c'est 94 ou 96. Si je raconte pas de conneries, on passe vite à l'intérieur, voilà, hop, il n'y a rien de spécial. La petite lithographie qui reprend l'affiche originale, voilà. Enfin, qui reprend l'affiche du moins du Blu-ray ici. Alors au niveau des anecdotes, eh ben, les gars, franchement, film précurseur. Très précurseur. Quand par exemple, on a Stallone qui est dans la voiture avec Sandra Bullock et qui lui explique le président Arnold Schwarzenegger, président hein, qui était président dans le film, ben aujourd'hui, ben, il est devenu sénateur quand même. Sénateur de Californie quand même. Donc vous voyez, un petit peu, ils ne sont pas si trompés que ça. Hein. Ils ne sont pas fortement trompés. Alors que normalement, il n'aurait pas pu être président parce qu'il n'est pas natif du pays. Mais il a changé l'amendement hein, dans le film, des gros délires de l'époque. Autre petit délire aussi, ils ont prédit un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils l'ont prédit. Regardez bien le film, c'est à peu près dans la même scène, quoi, ils se baladent avec Sandra Bullock dans la voiture. Vous allez tomber sur une affiche de film, c'est tout simplement marqué Batman vs Superman. Si c'est pas beau ça, franchement, que des petits easter eggs comme ça dans ce film, enfin des easter eggs, si on peut appeler ça, c'est même plein des easter eggs, c'est limite. Des flashbacks dans le futur, parce que, bon, avoir prédit dans le film que Schwarzenegger serait président et qu'il est devenu aujourd'hui gouverneur, avoir prédit aussi qu'ils allaient réaliser le film Batman vs Superman, et que le film existe aujourd'hui, bon, il est ce qu'il est aujourd'hui, le film, hein, mais bon, personnellement, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, voilà,
Donc franchement, un petit film mais ultra culte, vraiment super sympa. Et comme je te l'ai dit juste avant l'intro, eh ben, je l'ai payé 15 balles et sur Amazon, il est disponible en Steelbook. Blu-ray Steelbook, bon, pas de 4K malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il soit en 4K. Mais est-ce que je vais le prendre en Steelbook? Bien sûr que oui. Enfin, du moins, si j'ai les 15 balles et que le Steelbook est sympa, j'attendrai quelques unboxings. Voir s'il est vraiment aussi bien que ça. Et s'il est vraiment aussi bien, je le prendrai. Parce que, bon, un petit Steelbook, Blu-ray Steelbook à 15 balles, ça se prend, on va pas se mentir. Surtout que celui-ci, je l'ai payé quand même 15 balles sur Vinted. Parce que, bon, ici, il n'est pas évident de trouver un Blu-ray. Je ne l'ai pas vu passer souvent. Donc, quand je l'ai vu passer à ce prix-là, ben, je l'ai pris. Donc, voilà. Petit film ultra culte avec des scènes, des répliques mais cultissimes. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo Rap Sound, hein, si tu aimes le rap, enfin, les instrus rap et des répliques de cinéma. Je fais des Rap Sound, donc c'est tout simplement des musiques que je compose et que je rajoute tout simplement des petites phrases cultes de films, donc celui-ci en fait partie. Donc tu tapes Rap Sound de Dailymotion Man et normalement tu devrais tomber sur la vidéo. Et donc voilà les potos, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, petite vidéo ultra courte. Comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, si tu veux t'abonner, n'hésite pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Un petit like, ça fait extrêmement plaisir, un petit commentaire également. Et portez-vous bien, c'est le plus important, la santé et tout ça, donc portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.